content. Alors là, on est actuellement sur Slimer Social et c'est actuellement le deuxième épisode sur le jeu. Alors ce jeu m'a extrêmement, mais extrêmement surpris. Au niveau des graphismes, c'est juste monumental. Je savais même pas qu'un jeu comme ça pouvait être aussi, aussi beau. Alors ça, c'est tout simplement parce que la technologie avance, hein. C'est comme ça, c'est les jeux avancent. Alors je vais essayer tout simplement de ne faire aucune coupure ou vraiment pas beaucoup de coupures. Alors on va découvrir tout simplement. Alors je n'ai quasiment rien. Alors j'ai strictement rien fait, bien sûr, sur le jeu. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui a bougé. L'argent, c'est exactement le même et tout. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors me dites pas qu'on a un bateau. Attendez, on a un bateau privé pour moi? Attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attention, faut pas que je tombe. Oh, j'ai failli tomber dans l'eau, je sais même pas ce que ça fait quand on tombe. Et je veux même pas savoir parce que voilà, c'est pas cool de tomber dans l'eau. Bien sûr, on va mourir et on va perdre tout ce qu'on a sur soi, je pense. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais bien faire, c'est vraiment là, il faut améliorer un truc de ouf. Attendez, faut que je revienne en fait. Il faut vraiment améliorer vraiment énormément l'argent parce que là, 124, c'est extrêmement peu. Et il faut vraiment qu'on améliore tout ça pour tout simplement mettre Slime là, qui vont nous servir tout simplement. Attendez. Ah oui, c'est vrai, j'avais tout strictement oublié qu'on avait mis ça. Alors il meurt de faim, c'est vrai. Alors tenez, merde, oh, surtout pas faire ça. Si on fait ça, on est mort. Alors attendez, je vais essayer de donner ça à manger. Tiens, mange. Ah oui, il faut regarder si notre chat a poussé. Et oui, le chat a poussé. Alors il y a plein de petites carottes qui sont apparues. C'est trop mignon. Alors là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de mourir de faim. Ils sont en train de se barrer. Alors attendez, eux, ils vont complètement revenir dans leur clos. Alors revenez là. Alors je vais donner à manger à eux en premier. Oui. Ça va pas parce qu'en fait ils vont faire des caca. Attendez, mais c'est pas qu'ils font la chaîne. C'est quoi? En fait leur caca, ils vont tout simplement servir à que les autres ils vont le manger. Enfin vous allez voir, c'est trop bien. Alors attendez, merde, faut que lui mange. Et en fait les autres ils vont se transformer aussi en gros. Ils vont manger exactement ce que les autres vont. Bon, vous allez voir. Alors oui c'est bon, et regardez ça. Mais tous les donner à manger et ils vont tous se transformer comme il se doit. Alors regardez, hop, oui. Lui aussi. Voilà, regardez, ils vont tous, il n'y en aura plus un seul qui va pas être transformé. Regardez ça. En fait, les petits vont manger les caca des gros. Et quand ils vont se transformer en gros, et ben ils vont manger aussi. Vous allez voir. Je vais quand même les aider parce que là, j'ai l'impression que. Non. Celui-là, il va se transformer. Oui, trop bien. L'autre aussi, please. Voilà. Oh, trop bien, il n'y en a plus aucun. Ah, il y en a encore un seul qui est juste là, qui va tout simplement bientôt être à là. Oui, oh, regardez ça. C'est tout. Là, on a, oh, il y en a encore deux. Oh merde. Alors, vous inquiétez pas. C'est les tout derniers. Alors, j'espère qu'ils vont pas se casser de l'enclos. Oh merde, ils se cassent. Au pire, c'est. Lâche-toi. Voilà. Alors, au pire, c'est pas grave. Hein, s'ils se cassent de l'enclos, ça me saoulerait un petit peu. Mais tant pis. Alors, oui, il faut vraiment qu'on referme aussi. Parce que là, c'est pas très. Voilà. Alors, il faut tout simplement, là, pour l'instant, qu'on récupère tout ça. Bon, faut aussi qu'on mette un truc pour tout récupérer automatiquement. Je pense que c'est. Truc que je vais faire à l'instant. Alors là, j'ai déjà à revendre tout ça et on va voir en fait. Là, on a tout simplement des petites flèches qui vont indiquer si le prix des slimes monte ou pas. Alors, on a encore les slimes rocheux. Waouh! Oh! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a des slimes qui ont été rajoutés. Par exemple, là, je sais pas ce que. Waouh! Oh! Alors, ça n'y était pas. Il y a un truc feu. Oh! Ah, regardez, il y a comme des pixels. On voit les pixels. Alors, ça, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Alors, on va tout revendre et on va voir tout simplement ce que. Oui! Oh! Oh mon dieu! Ça rapporte tellement! Alors. Alors là, qu'est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on peut directement améliorer ça là-bas, qui va tout simplement servir. Ouh là là, attendez, ah c'est là. Voilà, ça va tout simplement servir à récupérer le plus d'argent. Alors pour l'argent, il y a une technique. Alors c'est tout simplement que regardez, on va tout donner là-bas. Alors oui, vous allez tous manger et vous allez voir ce que je vais faire. Alors je vais juste regarder si je peux tout simplement améliorer le truc pour tout récupérer. Alors c'est juste là, c'est ça. Il en faut 500, c'est un peu beaucoup, on va dire. C'est un peu beaucoup, admettons, il faut vraiment un peu plus. Et attendez, il faut juste que je vais essayer de l'acheter quand même. Et après, on va essayer de dormir. Et vous allez voir ce que ça fait. En fait, quand on dort, ça passe extrêmement vite le temps. Et vous allez voir, ça fait pousser aussi les plantations, je crois. Parce que c'est une technique que j'avais vue il y a très longtemps sur le jeu. Que j'avais fait il y a très longtemps sur le jeu. Après, je sais pas si ça marche bien ici, mais. Honnêtement, si ça marche. Oh, attendez, je vais juste revendre tout ça. Et je pense qu'avec tout ça, honnêtement, là, je suis sûr et certain qu'on pourra l'acheter. Alors, hop. Oui, ça sort. Oh, c'est génial. Allez, et là, vous allez voir. Attendez, c'est où? C'est là. Ouais, voilà. Et on va tout simplement faire. Attendez, est-ce que je peux pas faire ça avant? Ouais, si. Allez, je vais faire ça. Voilà. Là, ils pourront plus s'enfuir de l'enclos, ce qui est juste génial. Et. Je vais le mettre là.
Et il y en avait encore un autre que je crois qui était parti. Bon, en fait, je sais pas où il est, on s'en fout. Allez, alors là, vous allez voir, on va aller dormir, là, et on va voir. Alors, dormir pendant... Ah, dormir pendant 6 heures, dormir jusqu'à la nuit, dormir jusqu'à... Vous savez quoi? On va dormir jusqu'à la nuit, et vous allez voir ce que ça va faire. J'espère que... bon, ça a pas fait grand-chose. Peut-être que... Ah si! Ha! Ça les a fait pousser! Pas beaucoup. Bon, on va redormir encore un tout petit peu. Ça va tout simplement, bah, jusqu'à que ça marche. Excusez-moi, jusqu'à que ça marche. Et on va revenir là. Alors, j'espère que tout a bien marché. Je crois que ça n'a pas marché. Ah, peut-être que si. Vous savez qu'on va redormir encore 6 heures. Et oui, voilà, vous allez voir. Au pire, dormir jusqu'au matin. Voilà, regardez. Là. Là voilà, c'est bon en fait, là, on peut tout récupérer. Et en fait c'est à ça que ça dort en fait la nuit, c'est à ça que ça sert en fait la nuit. C'est tout simplement, ça sert tout simplement à récupérer énormément, enfin plus vite tout simplement de l'argent en fait. De la money, des dollars. Et d'ailleurs je crois qu'il y a un tout petit, il y a un petit bug, regardez. Je sais pas si c'est fait exprès, attendez c'est quoi ça? Ah oui c'est vrai, c'est ça. Attendez, faut pas qu'il mange. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je vais le dégager là parce qu'il me fait peur. Faut pas qu'il chie à côté. Alors attendez, c'est où le truc que j'avais récupéré? Ah oui c'est vrai, je l'avais pas amélioré. Vous savez quoi? Allez, si je l'avais amélioré. Ah c'est pas vrai, j'avais amélioré le truc en haut. Donc je vais simplement récupérer plus de caca possible et imaginable. Alors c'est assez emmerdant pour les récupérer, ne vous inquiétez pas. Juste après, on va s'arranger pour en fait acheter le truc qui sert à les ramener beaucoup plus vite. Allez, voilà. Attendez, parce que là, je suis bloquée. Je suis bloquée entre tout le slime. Je crois que j'ai tout récupéré, je suis pas sûre, mais là... ah si, je pense que j'en ai sûrement oublié peut-être 3-4, mais c'est pas grave. Allez, je vais déjà tout revendre. Et là, regardez, on a 185. Oh mon dieu. C'est génial. Oh, allez, 800. 800, c'est énorme. Alors, bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement améliorer... Ah oui, regardez ça. Je voulais aussi faire autre chose. Alors, attendez, ça coûte... Ah oui, regardez ça. Alors, il y a une mare. Ça. Alors, ça, c'est pour un poulailler. Ça, c'est pour... Allez, je vais acheter ça. Voilà. Et je veux aussi acheter un truc. Voilà, ah oui. Ça. Oh oui. Et je veux aussi sûrement acheter le plafond. Et je n'ai pas assez. Bon, c'est pas grave. Alors, on va mettre quelques trucs comme ça. Et vous allez voir que... Ah oui, c'est... Oh, ça fait comme la nuit. Regardez ça. Ah, c'est trop bien. Et ils mangent quoi? Ils mangent des fruits. Par contre, ils vont se barrer de là. Alors, attendez. Vous savez quoi? Je vais pas le mettre là tant que j'ai pas de plafond. Parce que si j'ai pas de plafond, ça va pas le faire. Honnêtement, là, ça va pas le faire du tout. Ça va être extrêmement merdant et ça va complètement... Bah, en fait, ils vont mourir et on aura tout perdu. Vous savez quoi? On va dormir un petit peu. On va récupérer un tout petit peu... voilà, de carottes. Alors, c'est comme ça, en fait, qu'on farme l'argent sur le jeu. C'est tout simplement le moyen le plus facile et le plus adapté à farmer. Alors, c'est simplement en récupérant tout ça comme ça. Ah oui, c'est vrai. Alors, je vais juste... Bon, vous savez quoi? Je vais faire... Au lieu de mettre le truc à argent, c'est juste du bonus, on va dire. Ce qui fait que c'est pas obligé d'aller avant ça, parce que... Le truc pour pas qu'ils sortent là, les aslay, genre le toit, pas le toit mais le filet au-dessus, c'est vraiment vraiment très important. Alors je pense qu'on va l'améliorer avant le récupérateur de plorte. Alors attendez parce que là il y a vraiment pas mal d'argent par terre et j'ai envie de tout récupérer. Alors vous voyez que là je vais tout revendre et je vais me faire pas mal d'argent. Oh, c'est énorme. Oh mon dieu, alors c'est extrêmement coûteux. Alors je pense qu'au bout d'un moment ça va peut-être baisser. Ah pas du tout, ça n'a pas baissé. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a comme slime? On a ceux-là et ceux... Ah oui, ceux-là ils ont quand même un tout petit peu baissé. Par contre ceux-là ils ont pas baissé du tout, voire ils montent. Alors ça c'est pas mal. Alors ce qu'on va faire là c'est qu'on va juste améliorer. Alors on peut améliorer le filet. Oui. Et ah oui, mur plus haut. Oh, c'est génial, on pourra tout mettre, regardez. Oh, c'est génial. Et on va tout de suite chercher des fruits, en fait, tout simplement pour les nourrir. Parce que c'est bien beau d'avoir des petits trucs comme ça, mais si on n'a pas de fruits pour les nourrir, ça sert strictement à rien. Alors, les poules, bon, j'en ai pas besoin pour l'instant. Alors, les poules, en fait, ça sert tout simplement à faire des élevages. Ouh, toi. Petit slime, qu'il est mignon. Alors, attendez, parce que je ne sais pas où c'est. Alors, les fruits, ça doit être par ici. J'espère qu'il y en a, parce que si on n'a pas, ça va être vraiment dommage. Oh, attendez, le coq, il en faut un. Alors, le coq, des poules. Ah bon,
vous savez quoi, le coq c'est vraiment très important, mais pour après, pour plus tard dans le jeu, parce que c'est quand même un peu compliqué à l'avoir. Alors, bon, là je cherche vraiment des fruits, des pogo fruits. Je pensais qu'elles étaient pas bonnes, mais en fait si, elles étaient très bonnes. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une sorte de grotte qui mène vers quelque chose. Ah ouais, oh, c'est trop beau. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Attendez, on va voir. Ah, il y a des corails. Oh, oh, mais c'est quoi ça? Oh, c'est quoi? On est où? Oh, je sais pas, par contre, c'est trop beau. Alors, regardez ça. Oh, un œuf? Est-ce qu'on peut jeter? Oh, il s'est noyé. Pourquoi? Je ne sais pas à quoi ça sert, mais... ça reste moi, ça veut rien. Vous savez, c'était un truc hyper important du jeu et... j'ai jeté comme ça, comme un con. Ça pourrait vraiment m'arriver à moi, c'est des trucs qui seraient tellement... Oh merde! Je pensais que dans vos oreilles. Bon, j'arrête. On s'en va, on rentre à la base parce que là, je sens que ça commence à devenir très dangereux et... j'aime pas la dangerosité. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai ouvert un easter egg! Station médicale! Vide rapidement votre énergie pour... restaurez votre vie, vous guérissez en rien de temps. Oh, c'est génial, c'est-à-dire que quand je perds de la vie, ça utilise mon énergie pour récupérer ma vie. Oh, ça, c'est génial. Parce que la vie, je crois qu'elle se régénère très 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 lentement. Et grâce à ça, ça va vraiment aider à contribuer aux régénérations de la vie. Alors, je sais plus où on est passé pour rentrer à la base. Oh là là. On a des pogo fruits. C'est quoi ça? Oh, un fruit. Délicat, sucré. Et elle ne roule jamais de... Ah ouais, ah ouais, bah c'est logique parce que regardez, c'est tout un cube, c'est trop mignon. Alors là, faut vraiment que je rentre, je me suis complètement perdue. Je suis arrivée dans je ne sais pas où, attendez. Ah bah si, c'était là. Ah oui, c'était là. Bon bah je pense qu'on est bientôt arrivé. Alors ça je prends, c'est pour moi. Voilà. Là aussi, ça aussi je prends. Alors toi tu dégages, j'en ai pas besoin pour toi. Oui, ça aussi. Oh, il y a tellement de pogo fruits juste là. C'est trop mignon. Alors là, il y en a aussi là-bas. Alors vite, je me dépêche de les prendre avant qu'ils mangent tout. Allez, bon, c'est bon. Je suis remplie, je ne peux plus rien prendre. Ça veut dire que bah, c'est tout. Je peux repartir. Ah oui, c'est vrai, il y a lui. J'avais oublié lui. Alors pour l'instant, on n'a toujours pas découvert de porte. Alors je me souviens que c'est le premier jeu, il y avait des portes. Et j'espère qu'on aura ici. Et bah, s'il y a des trucs comme ça, c'est qu'il y a sûrement des portes. Ça semble assez logique en vrai, mais voilà. Là, c'est quoi? Bon, on rentre à la base cette fois-ci parce que j'ai plus de place en fait sur moi. C'est-à-dire que même si on trouve des trucs intéressants, je n'ai rien. Alors, le labo. Vous avez des plantes et des néobugs. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas du tout. Allez, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder. Ah, vous savez quoi? Ça, je vais donner à manger. Ah, il le mange. Ah oui, il mange de la viande. Et en fait, c'est marqué en haut. Alors, c'est marqué alimentation, légumes et viande. Et ça donne des petits caca. Alors, ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais donner à manger. Puisque je n'ai plus besoin et j'ai besoin d'argent. Ah, je suis tellement horrible. Et ce que je vais faire, c'est que regardez ça. Aussi, je vais demander leur argent. Enfin, je vais demander leur argent. Je vais les nourrir pour qu'ils me donnent des caca et qu'ils vont me servir à avoir de l'argent. Et je peux aussi les. Comment dire, prendre leur caca pour les faire muter avec d'autres races, mais de toute façon c'est que je sais pas quoi faire muter avec parce qu'on a déjà des trucs ouais, en vrai les libellules, peut-être qu'après on pourra faire muter avec des trucs qu'on ne connaît pas ou des nouveaux snails du jeu ou quelque chose comme ça. Alors je vais déjà tout revendre tout ça et pour s'acheter des nouveaux enclos à nourriture et enfin des enclos à nourriture, des potagers pour en fait avoir beaucoup plus de nourriture. Alors les potagers, ça se fait là-bas. Comme vous voyez le petit truc là-bas. Et on va tout mettre à l'intérieur. Voilà. Ouh, 30$, c'est déjà pas mal. Alors le potager, je crois que ça coûte 250. Alors 250, on va en refaire un juste là. Oui, jardin. Alors c'est pas un potager, c'est un jardin. Et on va mettre un truc là. Et on va récupérer un peu plus d'argent pour s'acheter un troisième potager avec d'autres frais. Alors eux, ça mange quoi? Des légumes et de la viande. Ah ouais. Alors faudrait remettre des légumes, je pense, alors. Ou d'autres trucs. Ou peut-être de la viande, ouais. De la viande, ouais. Ah oui, c'est vrai, j'ai donné le caca à manger. Oh, quel con. Putain, j'aurais pas dû en fait. Parce que là, honnêtement, j'aurais pas dû du tout. Parce que là, je suis bien emmerdée après avoir fait ça. Allez, poussez-vous. Oh, on est bien collés dans cet enclos là. On peut plus bouger. Attendez, alors ça mange que de la viande. D'abord, je vais reprendre tous les cacas. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Tout ça, c'est pour moi. Et
je vais reprendre, bah, voilà, tout ça. Et je vais mettre ça là. En fait, je vais faire un tout dernier... Là, voilà, un tout dernier jardin. Qui est juste ici. Que je vais placer là. Et grâce à l'argent que j'ai récupéré, je pense que je vais évoluer sûrement... Bah, vous savez quoi? Je vais évoluer le jardin. Ou je ne sais pas quoi évoluer. Ou je ne sais... Ouais. Ouais, le jardin, je pense que je vais l'évoluer. Alors, ce que je vais évoluer, je pense que ça va être le pogo fruit, parce que... Enfin, le fruit cube, puisque j'avais peur. Alors, attendez, qu'est-ce que je peux améliorer? Bah, c'est simple, il n'y a que ça que je peux améliorer. Alors, je le fais tout de suite. Et voilà! J'ai déjà tout amélioré. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai amélioré? Sol riche. Un sol riche contient du compost issu des champs arc-en-ciel et les minerais de la vallée ardente. Permet d'obtenir des récoltes maximales. Oh, ça c'est génial. Alors je pense qu'en fait... Ah oui. Alors peut-être que des fois il peut avoir 4 4 fruits comme il peut en avoir 8. Et je pense que des fois ça sert en fait qu'il y a tout le temps 8 cubes au lieu de 4. Je sais pas si vous avez compris, mais des fois sur ce truc là j'avais remarqué tout à l'heure que j'en avais beaucoup moins que des fois. En fait, bon, des fois quand ça pousse, il y en a beaucoup moins que d'autres fois. Et en fait, là, c'est sûr et certain que ça pousse énormément. Bon, bah, je pense qu'on a déjà fait pas mal de trucs. Alors, regardez ça. Bon, lui, il le mange pas. C'est bizarre. Manger, c'est une poule. Bon, vous savez quoi, ce que je vais faire? Je vais faire un dernier truc, c'est que je vais dormir un tout petit peu. Alors, je vais dormir pendant environ 3 fois, voilà. Et voilà, je suis en pleine forme. Et là, je suis prêt pour aller... Ouh là là, ils sont morts de faim là. Vous allez voir que... Oh, attendez, il y a un slime là-bas. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, attendez, celui-là va dégager simplement parce que il commence à être assez emmerdant. Alors, je vais reprendre tout ça. Oh, le jeu est trop magnifique en vrai. Regardez ça, c'est trop coloré, c'est trop bien. Oh, j'adore cette version du jeu. Alors, c'est super cool. Alors, lui, vous allez voir que je vais tout donner. Ça va être juste génial. Et voilà. Par contre, faut vraiment que je fasse un truc pour tout récupérer parce que là, ça devient assez compliqué et quand c'est compliqué, c'est pas terrible. Voilà, tout, voilà, tout prendre. Et vous voyez que là, je pense que ça m'a donné beaucoup moins que là. Alors, je vais déjà revendre tous les cacas que j'ai sur moi et j'ai 492$. C'est quand même assez énorme. En fait, ça ressemble à des fraises tout simplement, mais qu'ils ont été complètement compressés en cubes. Oh my god, c'est génial. Et on va tout donner. Voilà. Ah oui, regardez ça. Alors, je vais directement... Oh merde, j'ai pas assez. Bon, vous savez quoi, je vais revendre quelques caca pour pouvoir tout récupérer. Alors... Oh, ça m'en a donné deux. Ça m'en a donné deux ou de un de caca. Ah, ça, c'est trop bien. Alors, je vais tout remettre là. Oh, ça, c'est génial. En fait, je pense que ça, c'est quand ils sont contents et qu'on les nourrit bien. Ça nous en donne de beaucoup plus. Et on va déjà tout revendre là. Et j'espère que j'aurai assez d'argent pour m'acheter tout simplement les deux récolteurs. J'aurai assez d'argent. Alors là, c'est la dernière amélioration qu'on va faire dans cette vidéo. Et c'est parti. Oui, alors, j'achète ça. Ça, regardez ça. Regardez ça. Voilà. Oh, ça récupère. Alors là, ça va être super bien pour... simplement pour récolter beaucoup plus d'argent. Enfin, ça récolte pas beaucoup plus, mais c'est totalement beaucoup plus pratique d'avoir ça. Et là, ça en a aussi rajouté. Oh, alors là, vous voyez que là, c'est pour les différents sortes. Là, si on en a qu'un seul comme là, ça rapporte que ça. Et là, si on a deux, enfin, si on a mixé deux sortes de slime, et bah, ça rapporte les deux séparément. Ça paraît un peu logique. Alors, on va juste récupérer ça. Et je pense qu'on pourra finir cette vidéo parce qu'on a déjà avancé énormément dans le jeu. Alors, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera plu. En tout cas, bah, j'essaie vraiment de faire une vidéo sans beaucoup trop de montage. C'est beaucoup mieux, je trouve, pour vous. Et ça risque d'être... Bah, c'est un let's play condensé. Alors, un let's play condensé, c'est quand même mieux qu'un let's play tout court. Excusez-moi, parce que... En fait, un let's play tout court, il n'y a pas beaucoup de montage. C'est vraiment... Enfin, toutes les parties un peu où je farm, etc. Pas très ennuyantes. Enfin, un peu ennuyantes, c'est tout le contraire, c'est un peu ennuyant. Et ben, je ne coupe pas, tandis que là, ça va être tout simplement coupé. Et je pense que dans le futur, quand je vais faire des trucs comme ça, enfin là, j'ai tout simplement mis en place pour farmer. Mais là, quand je vais vraiment farmer, je pense que je vais faire des timelapses tout simplement pour que ça soit beaucoup moins long pour vous. Parce que, je sais pas vous mentir, c'est un peu emmerdant de regarder quelqu'un farmer. Et là, bon, vous savez quoi? Je vais encore les nourrir et voilà, pour qu'ils soient tous contents. Et ça va être super cool. Alors, le dernier truc. Et voilà. Bon bah merci énormément mes petits mondes d'avoir suivi cette petite vidéo sur Slime Rancher 2. En tout cas, si vous voulez que je continue cette série, n'hésitez pas à me lâcher d'énormes pouces bleus, à vous abonner, à commenter et à partager. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Bye bye.